rituel qui base sur les traditions et la technologie prouvées par les siècles. Et habituellement, on utilise les matériaux naturels, comme la base de bois. On fait les planches en bois de tilleul avec deux languettes en arrière qui ne sont pas collées. Et la planche est creusée. Cette fenêtre représente la fenêtre dans la vie éternelle. Et la bordure ici, ça représente notre vie. Pour la préparation de planche, comme toujours, on utilise les matériaux naturels, coton à fromage. J'applique sur la planche et avec la colle naturelle. Ici, j'utilise colle de peau de lapin. Il faut coller coton à fromage sur la planche. On laisse sécher. L'étape suivante, on applique ce qui s'appelle l'IFCAS. Et je prépare moi-même avec la colle de peau de lapin qui est mélangée avec le blanc de meudon. Et j'applique avec les spatules, comme ça. Il faut sécher entre chaque couche. Voilà, comme ça je fais 12 couches de plâtre. Ça prend à peu près 2 jours. L'étape suivante, quand 12 couches sont faites et sèches, il faut polir la surface. Moi, j'utilise toujours les matériaux naturels, bouchon de liège. On trempe le bouchon dans l'eau et on frotte. Je polis toute la planche et à la fin, ça donne la surface très lisse, même brillante, comme marbre. Ça, c'est la planche est prête. L'étape suivante, il faut transférer le dessin sur la planche. Habituellement, il y avait les dessins déjà pour les iconographes, comme ici j'ai un modèle de 15e, de 19e siècle, les dessins pour les iconographes. Habituellement, il y avait juste les lignes qu'il faut graver sur la planche. Et quand l'Église canonise une personne, il y a l'inscription comment cette personne doit être présentée sur les icônes. Quel élément, quel objet il doit tenir dans les mains, quel geste de doigt, quel côté il regarde, quelle longueur de barbe, parce qu'il y a des règles, des canons. Par exemple, il y a des perspectives inversées sur les icônes, parce que ça représente le monde éternel. Le monde éternel n'a pas de limite et toutes les lignes se rallongent par rapport de perspective traditionnelle où toutes les lignes se rejoignent dans un point. À l'étape suivante, il faut préparer les surfaces pour poser les feuilles d'or. Il y a une base à base de l'argile fermentée mélangée avec le gras. On applique plusieurs couches, mais très minces, qui nous permet de polir les surfaces et l'or va briller. L'or sur les icônes signifie l'éternité et la lumière divine. Comme ça, on applique à peu près 20-30 couches de l'assiette à dorer. Mais quand toutes les couches sont faites, sur cette forme, où ça donne une surface très très couleur intense et lisse, brille bien. Et on peut maintenant appliquer les feuilles d'or. Moi, j'utilise les feuilles d'or de 23 carats. Et pour coller les feuilles d'or, de façon russe, on utilise la vodka. On ajoute un petit peu de colle de peau de lapin et je fais... J'applique la vodka généreusement à la russe. Et je touche avec les feuilles d'or. Et ça va coller pour les siècles et les siècles. C'est fait avec la base de tempéra de jaune d'œuf. Pour cette base, on prend jaune d'œuf. Aussi pour la dorure.
faut enlever complètement blanc d'œuf. Il ne faut pas briser la membrane. Ça, c'est jaune d'œuf. On lave les coquilles. Ça, c'est le mélange jaune d'œuf et du vin blanc sec. Quand on mélange. La base qu'on a préparée, ça sert liant pour les pigments. Il y a différentes pierres qu'on utilise pour différentes parties de l'icône. Minéral lapis lazuli, qui donne couleur bleue, ça symbolise la pureté. J'ajoute l'émulsion. Et il faut broyer avec une molette sur une vitre. C'est très symbolique aussi. On commence par les couleurs les plus foncées et après on superpose les autres couches de couleurs plus claires, plus blancs pour aller vers la lumière. Sur les icônes, il n'y a pas de l'ombre. Ça représente le monde transfiguré qui est parfait, qui n'a pas de défaut et il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite d'espace. Je vais vous montrer comment j'applique les peintures. Habituellement, on fait les visages à la fin. Dernière étape pour la peinture, on applique les rayons dorés. Il faut avant poudrer l'icône. Et comme la colle pour les rayons, moi j'utilise la bière foncée. Il faut réduire la bière dans la bain-marie pendant 5-6 heures. Ça devient épais. Moi je les garde dans des petites coquillages. Pour protéger la peinture, on applique l'huile de lin. Voilà, on va laisser pour toute la journée. Et après, on va enlever ce qui est surplus. C'est la technique la plus solide dans l'histoire des arts. Quand j'ai enlevé l'huile avec mon doigt, après, j'utilise papier de soie pour enlever encore plus. On caresse l'icône et comme ça, l'icône est terminée. On peut la porter à l'église, demander à le prêtre à bénir l'icône. En l'église roumaine, l'icône doit rester sur l'autel pendant 40 jours. On dit que c'est pendant 40 jours l'âme qui se forme, être comme une personne nouveau-née qui a son âme. Quand on entre dans l'église, il y a toujours l'icône au centre de l'église de fête actuelle. Et chaque personne qui entre, il salue cette icône comme on salue la personne qu'on a rencontrée. On embrasse l'icône et on touche avec notre front l'icône pour qu'il nous donne la sagesse.